Beloved and the Lord, welcome to your YouTube channel, Exocet Lungo Ministries, in a brand new teaching series titled The Baptisms Doctrine. And we saw with Prophet Exocet that there are three kinds of baptisms. There's the baptism of the Father, the baptism of the Son, and the baptism of the Holy Spirit. If you want to find out more about each three of this baptism, stay tuned and you will be richly blessed. Do not forget that this series is available on our app, Exocet Lungo Ministries, that you can download freely on the App Store and on Google Play. We shall see each other in the following installment. May the Lord bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne YouTube Exocet Lungo Ministries dans une nouvelle série d'enseignements intitulée La doctrine des baptêmes. Pourquoi des baptêmes? Le prophète Exocet nous a montré qu'il y a trois sortes de baptêmes. Le baptême du Père, le baptême du Fils et le baptême du Saint-Esprit. Et si vous voulez en savoir plus, restez connectés et vous allez découvrir quels sont les baptêmes et quelles sont leurs valeurs. N'oubliez pas que cette série d'enseignements est disponible dans votre application Exocet Lungo Ministries que vous pouvez télécharger gratuitement dans l'App Store et dans Google Play. Nous le reverrons dans un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. On va prendre la parole de Dieu. We'll take God's word. Matthieu, chapitre 28. We'll take Matthew 28. On prend le verset 18. We'll take verse et le verset 19. And verse 19. Lisons donc Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hébreux. Le chapitre 6, take Hebrews 6, le verset 1 et 2. Verses 1 and 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous allons parler de la doctrine de baptême. We'll speak about the baptism's doctrine. Vous allez remarquer une chose. And you'll notice something. Lorsqu'on regarde Hébreux au chapitre 6, when we look at Hebrews 6, le verset 1 à 2 qu'on vient de lire, and 2 that we read, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de merveilleux. Apostle Paul was saying something marvelous. Paul dit, tendons vers ce qui est parfait. He said, let us go unto perfection. En fait, l'idée de Paul, so Paul's idea, était de pouvoir amener le peuple de Dieu à une certaine dimension de la connaissance qui amène la maturité spirituelle à une autre dimension. Paul's idea was to lead God's people to a certain level of spiritual maturity. Je parle de Paul, vous le savez très bien que le livre d'Hébreux n'a pas d'auteur. You know very well that the book of Hebrews has no author. J'ai dit toujours que c'est Paul qui l'a écrit parce qu'il y a déjà la mention de Timothée. And I always say that Paul wrote it because there's the mention about Timothy. Et puis lorsque tu regardes la quintessence de ses écrits en les comparant avec d'autres écrits Paulinien, and if you look at the quintessence of his writings and compare it to others, on peut se faire l'idée de la taille de l'écrivain. You can have the idea of the extent of the writer. Et comprendre que c'est Paul. To understand that it was Paul. Il dit allons plus loin dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans la doctrine. He said, let's go further in the knowledge of God, which is the doctrine. Il dit, and he said, nous voulons enseigner sur des choses would like to teach about things qui sont plus profondes. That are deeper. Sans pour autant qu'on revienne encore without going back, à parler des fondamentaux, about the fundamental entre autres things, la doctrine des baptêmes. The doctrine of baptism. Il a parlé de plusieurs choses. And he spoke about many things. Il parle des fondamentaux he spoke about the elementary principles, en utilisant les termes les éléments de la parole de Christ. While using the term, the elementary principles of Christ. Il dit and he said, ce sont des choses these are things qu'on ne va pas encore aborder. That we will not cover again. Mais allons plus loin dans la doctrine de Dieu. But let's go further in God's mais mon doctrine. Problème, c'est quoi? But my issue is what? Parmi les sujets qu'il vient de citer, amongst the topics he mentioned, il y a aussi la doctrine des baptêmes. The doctrine of baptism mais vous allez remarquer them. Une chose, but you notice something. Plusieurs serviteurs de Dieu many servants of God n'ont peut-être pas tout. Do not plusieurs enfants de Dieu a lot of children of God ont déjà un problème pour connaître les fondamentaux. Have already an issue with the fundamentals. La doctrine des impositions des mains. The doctrine of the laying of hands. Des œuvres mortes. Of the dead works. La doctrine des baptêmes. The doctrine of baptisms. Toutes ces choses font partie des fondamentaux. All these things are part of the et lorsqu'on fundamentals, parle des fondamentaux, and when speaking of on est en train de parler des éléments des bases. We're talking about really basics, des enseignements des bases basic teachings, qui construisent that build notre foi en Christ. Our faith in Christ. Ce sont des choses qui ne se disent pas dans les églises.
These are things that are not spoken about in churches. Les choses que les gens n'enseignent pas. Things that people do not teach about. Parce que on nous a présenté un Christ donateur. Because we were presented a Christ that gives. On nous a fait comprendre ceci. And we were understood. Si tu viens en Jésus-Christ, we were told that if you come to Jesus Christ, tu auras la solution dans tes problèmes. You will have a solution to your issues. Alors les gens lorsqu'ils ont des problèmes, so when people go through troubles, ils vont vers Dieu. They go to God. Ils viennent dans les églises. They come to churches. Parce qu'ils ont besoin de la solution. Because they need a solution. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'ils time, ne voient pas la solution de leurs problèmes, ils se rétractent, ils abandonnent Dieu. And they abandon God. Soit ils changent d'église. Or they change to, they go to another ils disent, church. Oh, ici, il n'y a pas l'onction. They say, here, there's no anointing. Et des fois, cela passe par des petites choses entre frères et sœurs. And often these are issues that occur des fois, c'est dans la relation entre pasteurs et fidèles. Brethren or between pastors and Dieu, members. Moi, je crois peut-être qu'on ne m'aime pas. They say, I believe that on I'm not considère pas ce que j'ai fait. Not considered. Ce que je dis. What I say je is not pars dans l'autre église. Let me go to another church. Les problèmes des gens. Now, people's issues. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Are not all mais c'est l'absence things. Des fondamentaux. But it's a lack of fundamentals. Lorsque nous parlons des fondamentaux, when speaking of on est en train de parler des éléments de base we're talking about qui construisent notre foi. Elements that build our faith. C'est comme une maison it's like a house qu'on doit construire. That has to be built. Il faut qu'il y ait la fondation. The foundation needs et to be la fondation en réalité the foundation in reality n'a pas la même matière it's not built of the same que les éléments matter. Qu'on va utiliser pour faire monter l'immeuble. The elements that will be used now to build the building, ou une maison. Or a house. La fondation c'est plus solide. The foundation is more solid. Au lieu que l'Église s'attarde à des choses solides qui constituent les basiques de notre foi, ou je dirais la quintessence de notre chrétienté. Instead for the church to dwell on things that build the foundation of our Christianity. Le chrétien regarde à autre chose. The Christians look at other things. Ça fait que les gens n'ont pas la connaissance. Which is why people lack knowledge. Sur les saluts. About salvation. Sur les pardons. About forgiveness. Sur les péchés. About the sin. Sur la doctrine des baptêmes. About the doctrine of baptism. Sur la repentance. About repentance. Sur la rémission des péchés. About the sur la réconciliation of sins. Avec Dieu. The reconciliation with God. La rémission des péchés. The remission of la sins. Croissance spirituelle. Spiritual growth. Ce sont des fondamentaux. These are fundamentals. Des choses à connaître. Things to know. Parce que ces gens-là avaient déjà eu la connaissance sur ces choses. Already had the knowledge of these Paul things. Leur dit, Paul told them, allons plus loin. Let's go further. Paul ne voulait pas dire que les fondamentaux ne sont pas importants. Paul did not want to say that this doesn't matter. Mais il voulait leur dire, avançons. But he would like to say, let's vers go les ahead. Eaux profondes. Let's go to the deep waters. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved. Vous remarquerez ceci. You'll notice lorsqu'un this. Lorsqu'un pasteur enseigne la parole de Dieu. When a pastor is teaching God's word. Et souvent, d'autres personnes dorment à l'église. Often people fall asleep parce at church. Parce que ce qui les intéresse, c'est pas ça. Because that's not what they're interested in. Le problème des gens, c'est la solution. People are looking after comment their solutions. Comment voulez-vous avoir la solution? Now, how do you want to have a solution? Si vous n'avez pas if you do les not méthodes qui vous amèneront à la solution. That will lead you to these solutions. C'est ça le problème. Now that's the issue. Tendons vers ce qui est parfait. Let's reach to what is alors perfect. Nous devons d'abord nous so we, first of all, reprendre ces choses need to go back afin to qu'on comprenne for us to understand pourquoi être chrétien why should we be a Christian? Et quelle est ma position étant chrétien what's my position as a Christian? Là où je veux. Where I'm going qu'est-ce que to? Dieu attend de moi? What is God expecting et quelle est la of me? Valeur, la profondeur de l'œuvre de Christ dans ma vie? What is the depth of Christ's work in my life? Quelle est la manifestation de l'amour du Père? What is the manifestation of the Father's qui s'est manifesté à la croix? Manifested at the cross pour mon salut. For my salvation. Jésus. Jesus. Dans Matthieu au chapitre 28, Matthew 28 le verset 19, verse 19 qu'on vient de lire, that we read, tout commence par le verset 18. Everything starts with il verse dit, tout 18. Pouvoir m'a été donné. So the power was given to quelque me. Chose de merveilleux. Something marvelous. Tout pouvoir m'a été donné. All power was given quand to est-ce me. Que le Seigneur se permet de dire now when could the Lord say que tout pouvoir lui a été donné that all powers were given to him. Lisons d'abord Luc au chapitre 4, let's read Luke 4. Le verset 6. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alléluia. Alléluia. Ici, le diable here the devil est devant le Seigneur. Stands before the Lord. Le diable fait comprendre au Seigneur. And the devil says to après the Lord, son jeûne et prière. After his fasting c'est pour dire and que prayer, le diable n'a pas peur de ton jeûne. Just to say that the devil is not afraid of your pour venir fasting. Te tenter. To come and tempt le you. Diable, s'il veut te tenter, il va te tenter. The devil will tempt you whenever he likes le Seigneur to sortait de jeûne et prière. The Lord just came out of his fasting and 40 prayer. 40 jours et 40 nuits. 40 days and 40 nights. Il y a eu pas mal de réalités. There were many realities. Par rapport à ce temps que le Seigneur a passé dans la présence de Dieu. About the time that the Lord spent in the
presence of God. Je ne veux pas entrer là-dedans. We're not going to it. Je voulais juste relever une pensée. But I'd just like to bring out a thought. Pour dire que le diable to say that the devil lui montre showed him le royaume de la terre. The kingdom of the earth. Il nous montre and he shows him la terre. The earth. Il lui fait comprendre ceci. And tells him this. Il dit tous ces royaumes-là. All these kingdoms. C'est-à-dire ici, il y a une pluralité. So there's a plurality. Plusieurs nations. There's many nations. Le diable lui fait comprendre. And the devil even tells him that he has the authority sur toutes ces nations. On all these nations. C'est Adam, if Adam qui m'avait donné cette autorité. It was Adam that gave this authority to lorsque me. Je l'ai trompé. When I betrayed him. Avec sa femme Ève. When I cheated dans him le jardin d'Eden. His wife Eve. Et par ricochet, and as a consequence, j'ai eu une opportunité. I found un opportunity, pouvoir. A power. De pouvoir diriger ces mondes. To lead the world. Regarde dans ces mondes. Now look in this les gens world. Fonctionnent selon moi. People behave selon mes idées. According to me and to my alors, ideas. Alors comme j'ai le pouvoir, so as I have the power, je peux te les donner. I can give it to you. Je l'ai toujours dit. And I always said it. Le Seigneur n'a pas contesté. The Lord did not argue against it. Le Seigneur n'a rien dit. The Lord did not say anything. Pourquoi? Why? Quand le Seigneur est venu, when the Lord came, vous connaissez la conception miraculeuse du Seigneur. You know how the Lord was miraculously conceived. De la grossesse du Seigneur au travers de Marie. The pregnancy through Mary. Sa mère. His mother. Comment l'ange a parlé? How the angel spoke. De la part de Dieu. And God's dans Luc behalf, chapitre 1er, Luke 1, 26, 26 à 38. To 38. C'est ça l'histoire. That's the story. Le Seigneur est venu. The Lord came. Comme un homme. As a man, 100% homme, 100% man, 100% Dieu. Il n'a jamais perdu ses valeurs divines. And he never lost his divine nature. Il avait un côté humain he had a human où il a side, habité parmi les hommes. And he lived amongst men. Dieu God, qui habite sous une forme humaine living in a human form, au milieu des hommes. In the midst of men. Raison pour laquelle on l'a appelé Emmanuel. Selon la prophétie according to the prophecy d'Isaïe of au chapitre 9, Isaiah, le verset 5. 9, verse 5. Alors c'est Jésus so Jesus était Dieu was God et homme. And was man. Raison pour laquelle vous remarquerez which is why you'll notice, on l'a appelé Fils de l'homme. He was called son of man, Fils de l'homme veut dire which means, c'est lui. The sur one qui on whom toutes les prophéties des prophètes all the prophecies ont été données. Of the prophets were given about. Il s'agit de lui. We're talking about him. Le Dieu venu sous une forme humaine. The God who came through a human form. Et en lui se repose. And in him toutes les prophéties are all the prophecies concernant la rédemption. About the redemption. Alors ici. So here. Le diable parle du pouvoir. The devil speaks Jésus about lorsqu'il power. Ressuscite. And Jesus when he resurrected. Dans Matthieu chapitre 28. Matthew 28. Au verset 18. Verse 18. Il dit. He said. Tout pouvoir m'a été donné. All power was given to me. Après la croix. After the cross. Parce que la croix. Because the cross. A permis à Jésus. Allowed Jesus. De reprendre les contrôles. To take over. De ce que Adam avait donné au diable. To take over what Adam gave to the devil. En reprenant ses contrôles. Now, as he took over, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Il ne garde pas de choses seul. He doesn't keep things to himself. Il le partage avec nous. He shares it with us. Raison pour laquelle. Which is why. Au verset 19 maintenant. Verse 19 nous sommes dans Matthieu 28. Matthew 28. Il dit, allez. He said, go faites now de toutes les nations. And make of all nations. Les disciples. My disciples. Je vais vous dire des très belles choses. And I will tell you beautiful things. Écoutez maintenant. Listen now. On dit ici. It is said here. Allez faites de toutes les nations. Go and make of all nations. Des disciples. My disciples. Les baptisons. Baptizing them. Au nom du Père. In the name of the Father. Du Fils. The Son. Et du Saint-Esprit. And of the Holy Spirit. Ici, il y a un problème. Now, here there's an issue. Où se pose le problème? Where's the issue? Vous avez remarqué une chose. You notice normalement, something. En français, usually in French, on doit dire we should have said, les baptisants baptizing au nom them in the name, au pluriel. But the names would have been au nom in plural, du Père, in the name of du the Fils Father, of et the du Son, and of the Holy Spirit. Mais en français, but in French, pour respecter la stylistique, to respect the style, lorsque when la chose qu'on doit faire the thing that is to be done doit se faire has to be done en ces trois noms in these three séparément names, separately, la chose qui doit se faire the thing that has to be done c'est le baptême is the baptism au nom du Père in the name of the Father le nom reste au singulier but the name remains singular pour ne pas dire not to say au nom du Père, in the name of au nom the Father, Fils, in the name of et the Son, du Saint-Esprit. And in the name of the Holy Spirit. Cela signifie que
that means, lorsqu'on baptise quelqu'un, when someone is baptized, ici plusieurs personnes croient que, here many people believe that, lorsque on baptise quelqu'un, when someone is baptized, les gens croient que, or people on est en train de parler du baptême d'eau, that we're talking et about, et lorsqu'on baptise quelqu'un d'eau, the water baptism and when that is done, on doit les baptiser, we need to baptize that person, au nom du Père, in name of the du Father, Fils of the et Son, du Saint-Esprit, and of the Holy Spirit. C'est pas ça. That is not the case. Ce que Jésus voulait dire. That's not what Jesus meant. Ici, Jésus here, Jesus nous enseigne seulement teaches us only la pluralité des baptêmes. The multiple baptisms. Et qu'il y aura le baptême au nom du Père. There will be a baptism in the name of the Father. Le baptême du Père. And the baptism of the Father. Le baptême du Fils. The baptism of the et Son. Et le baptême du Saint-Esprit. And the baptism of the Holy Spirit. Mais par contre, quand il a parlé, but when he spoke, les disciples n'ont pas compris the disciples did not understand ce que le Seigneur voulait dire. What the Lord meant. Pourquoi ils n'ont pas compris? And why did they not understand? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Because the Holy Spirit had not come on them parce yet. Parce que le Saint-Esprit because the Holy Spirit a un rôle has a role à jouer dans la vie des enfants de Dieu. To play in the lives of the children of God. Jean chapitre 14, le verset 26. John 14, 26. Est-ce qu'on peut mettre les versets sur les tableaux? Can we read it together? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Mais le Consolateur, but the Helper, le mot grec c'est le Parakletos. In Greek it's Parakletos. Le Parakletos, and Parakletos veut parler d'une personne de la même nature que moi. Speaks of a person that has my nature. Le moi là c'est Jésus. Now that me is il Jesus. Parle de la nature divine. He's speaking about the que divine le Père nature, a, that the Father que has, le Fils a, that the Son et aussi le Saint-Esprit. And the Holy Spirit as il well. Dit lorsque les consolateurs, but he said, but the Helper, c'est-à-dire une personne de la même nature que moi, someone that has my nature, ayant une profondeur de la consolation en lui, having the depth of comfort in afin him, que vous ne soyez pas triste par mon départ. For you not to be sad of, because lorsqu'il viendra, when he will come, le Père l'enverra à mon nom. The Father will send him in my name. Qu'est-ce qu'il va faire? What will he do? Il va vous enseigner. He will teach you. La première des choses. First of all. La deuxième des choses. Secondly. Il va vous rappeler. He will bring ce que je vous ai dit. To your remembrance all alors things that I said. Alors le Saint-Esprit. So the Holy Spirit. Veut enseigner. Had to teach. Enseigner. To teach. Veut dire expliquer. Which means to explain. C'est-à-dire. Which means. Ce que vous n'aviez pas compris. What you did not understand. Il nous sera là. He will be there. Pour vous expliquer. To explain. Des choses que je vous ai dites, things that I told vous les avez retenues, you remember mais them, vous ne les avez pas compris. But you did not understand la deuxième des choses, secondly, il lui dit, he said, il vous rappellera. He will bring to your il y aura des choses que vous allez oublier. That things that you will forget. Prenons un peu un portrait de Luc au chapitre 24. Let's see the picture of Luke 24. À partir du 13e verset. From verse 13 jusqu'au 33e verset. To verse 33. On parle de l'histoire d'Emmaüs. We're talking about the story of Emmaüs. On dit qu'il y avait deux disciples. The two disciples. Qui allaient à Emmaüs. Going to Emmaüs. Et on donne le nom d'un disciple. And the name of one of the disciples. On parle de Cléopas. We're talking about Cléopas. Qui était avec quelqu'un. Who was with someone. Dont le nom n'est pas cité. Whose name was not mentioned. Vous savez, son nom n'était pas cité. And you know his name wasn't mentioned. C'était une femme. It was a woman. C'était la femme de Cléopas. It was his wife. Cléopas était avec sa femme. Cleopas was walking with ils his wife. Ils ont perdu la foi. They lost their faith. Ils partaient à Emmaüs. They're going to Emmaüs. Et à 11 kilomètres de Jérusalem. 11 kilometers away from ils Jerusalem. Ils avaient 3 heures de route à faire. They had 3 hours a 3-hour journey. Pendant que Jésus. To do while Jesus. Dans Marc. In Mark. Au chapitre 16. 16 le verset 7, verse 7. Il laisse un message à l'ange. Gave a message to the angel. Lorsqu'il était ressuscité. As he resurrected. Pour que l'ange se charge de dire. For the angel not to go, que ses frères, and inform ses his disciples, ses amis, his friends, ses fils, his sons, devaient se rencontrer avec lui en Galilée. Had to meet him in Galilee. Mais Cléopas, but Cleopas, qui était aussi l'un des disciples, was one of the disciples mais as pas well, des premiers rangs, but not one of mais the first des seconds rangs, but he was one of the second rank. Il est parti à Emmaüs. He went to Emmaüs avec son épouse. With his spouse. Ça c'est pas écrit dans la Bible. That was not written in the Bible. Quand il est parti, and as he left, il est parti. He left. Pourquoi? But why? Parce qu'il a oublié. Because he forgot. Ce que Jésus avait dit. What Jesus said. Lorsque le Seigneur ressuscite. When the Lord resurrected. Lisez Marc chapitre 16. Read Mark 16. Vous allez remarquer une chose. You'll notice something. Pourquoi Pierre? Why did Peter et Jean and John ont couru? Why did they run? Jusqu'à la tombe. To the tomb. Quelque part ils avaient un doute. They had a doubt somewhere. Ils ont oublié. They forgot. Ce que le Seigneur les a enseigné. What the Lord taught them about. Dans Matthieu chapitre 16. In Matthew 16. Dans Marc chapitre 13. Mark 13. Il les a parlé. He told them. Par rapport à la manière dont. About the way. On va les frapper. That he would
be on flogged. Va l'arrêter. The way he would be on arrested. Va lui faire toutes sortes de mal. The way he would go through et so much abuse. Croix. And he would be at the il cross. Connaissait ces choses. They knew c'est these vrai. Things. Isaiah avait prophétisé. It is true that Isaiah prophesied. Dans Isaïe chapitre 53. In Isaiah 53. À partir du deuxième verset. Verse 2, il dépeint la personne de Christ. He depicted the person au dixième of Christ. Verset. Verse 10, la Bible dit même. The Bible even il added. Il a plu à Dieu de le briser. It pleased to God to bruise pour him. Un but. For name, pour une cause. For a cause. On est en train de parler de la croix. We're talking about the cross. Mais ils ont oublié. But they forgot. Alors le Saint-Esprit so the Holy devait Spirit rappeler was to bring les choses to qu'ils ont oubliées. Things that they forgot. Devait premièrement les enseigner to teach them first sur ce qu'ils ont entendu about what they heard, mais ne connaissant pas la valeur de ces choses. Without knowing the worth of l'enseignement these things, the teaching, et and le rappel the remembrance des oubliettes. Of things that were forgotten. Donc quand Jésus so when Jesus parle maintenant dans Matthieu chapitre 28. Was speaking in Matthew 28. Au verset 19. Verse 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Go and make of all nations my disciples. Les baptisant au nom du Père. Baptizing them in the name of the Father. Et du Saint-Esprit. Of the Son and the Holy Spirit. Il parlait de quelque chose. He was talking about qu'ils n'ont pas compris. That they did not grasp. À cause. Because de l'absence. Of the lack. De la venue du Saint-Esprit. The absence of the Holy Spirit. Mais attention. Be careful. À ce niveau. Here. Ils étaient déjà nés de nouveau. They were already born again. Parce que les textes. Because the scripture de Matthieu chapitre 28, of Matthew 28 ce qu'on a lu, that we read, c'est l'introduction de Actes to Acts, au chapitre 1, chapter 1, là où il parle where he spoke de la venue du Saint-Esprit. About the coming of the Holy Spirit. Mais par contre, but, ils sont nés de nouveau. How if they were born again? Parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance there's no new birth avant before la croix. The cross. Quand Jésus est mort à la croix when Jesus died et qu'il at the était ressuscité des morts, he resurrected from the toutes dead, les personnes qui ont cru, all those who believed, qui ont confessé de leur bouche through their mouth, qu'il a été ressuscité des morts, that he resurrected from the dead, ils sont parvenus au salut. They were saved. Romains chapitre 10, Romans 10, 9 à 10. 9 to 10. Vous le savez très bien. You know it very well. Maintenant, le Saint-Esprit now, the Holy n'était Spirit pas encore descendu sur eux. Had not come upon them yet. C'est-à-dire, which means, quand tu es sauvé, when you are saved, le Saint-Esprit the Holy Spirit vient habiter comes to live ton esprit. In your spirit, raison pour laquelle, which is why, dans la nouvelle naissance, in your new birth, on parle de la naissance spirituelle. We're talking about a spiritual birth. Jean chapitre 3, John 3, le verset 6. Verse 6. Ce qui est né de l'esprit what is born of the spirit est esprit. Is spirit. Jésus parlant à Nicodème. Jesus speaking to Nicodemus. Alors, so, dans la pneumatologie, in pneumatology, c'est-à-dire la doctrine du Saint-Esprit, which is the doctrine of the Holy Spirit, il a fallu que le Saint-Esprit the Holy Spirit vienne encore had to come again dans une certaine dimension ou dans une autre dimension. In another dimension. Selon la prophétie de Joël 2, 28. According to Joel 2, 28, which was a prophecy, Joël a prophétisé Joel prophesied que dans les derniers jours, that in the last days, dit Dieu, says God, je répondrai de mon esprit of my spirit, sur toute chair. Of flesh, vos fils your sons et vos filles and your daughters prophétiseront. Will prophesy. Le Saint-Esprit the Holy devait spirit venir sur eux. Had to come donc, on par birth, la nouvelle naissance, through the new birth, l'Esprit the spirit était venu en eux. Came in them. Mais le jour de la Pentecôte, but on the day of l'Esprit the spirit était venu sur eux. Came on them. Parce que l'Esprit devait venir sur because eux. The spirit was to come on them. Ça avait un but that had a name, de les amener to lead à une profondeur to ascend depth, qui va commencer à les enseigner that will teach them des choses qu'ils n'ont pas compris things that they did not et understand, leur rappeler to remind certaines choses qu'ils ont oubliées. Things that they forgot. Selon Jean chapitre 14, according to John 14, le verset 26. Verse 26. Alors quand il a parlé, ils n'ont pas compris. So as he spoke, they didn't understand. Mais il vous arrive aussi. But it happens to you je as well. Je te dis quelque chose. Then I will tell you something. Que tu n'as pas compris. But you didn't understand. Lorsque tu commences à être profond. Now when you start being deep. Dans la connaissance de Dieu. In the knowledge of God. Tes yeux s'ouvrent. Your eyes are les not yeux open. De l'esprit. The eyes of the tu commences spirit à comprendre certaines you choses. You start understanding oh, certain things. Ah mais papa m'avait dit ça. But daddy told me this. Ah mais il y a 3 ans. 3 years ago. Ah là je comprends mieux. But now I understand it better. C'est pas parce que cette parole a changé le visage. It's not because that the face of that mais word c'est toi changed, qui a changé le visage. But your face has changed. Tes yeux ont changé. Your eyes changed. L'aveuglement est tombé. Your blindness fell. Écoutez, listen. Il y a un portrait. There's a picture. Lorsque quelqu'un fonctionne, when someone selon l'esprit, behaves according et une to the spirit, and someone qui ne fonctionne pas, that
us not behave selon l'esprit. According to the Spirit. Il y a une différence. There's a clear difference. Je vous donne un partout, un portrait. Let me give you a picture. Genèse chapitre 13. Genesis 13. On nous raconte l'histoire. We're told the story. De berger de Lot. Of the shepherds of Lot. Qui avait des problèmes. That had issues. Avec des bergers d'Abraham. With the shepherds of Abraham. Ce n'est pas les problèmes d'Abraham. That's not Abraham's issue. Abraham, c'est le père. Abraham is the father. Lot avait seulement besoin de dire à ses bergers. To tell his shepherds. Calmez-vous. To calm down. Parce que c'est lui-là. Because this one. C'est mon père. Is my father. C'est par lui. It is through him. Que je suis ce que je suis. That I am who les I am. Les commentateurs disent. Commentators say. Qu'Abraham lui a pris à l'âge de 2 ans. Abraham took him when he was 2 years après old. La mort de son père, after the death of his father, qui était frère d'Abraham, who was Abraham's brother. Lorsque même il fait un choix, now even when he chose, de la contrée où il doit habiter, to go where he would live, il lui regarde ce qui frappe aux yeux. He was looking at what was catching the eyes. Charnel, because he was carnal. Mais là où Abraham était, but where Abraham il was, il n'y avait aucune belle maison. There were no nice houses. Dieu ne lui avait pas permis de bâtir. Because God did not allow him to build. Pour que d'autres personnes viennent bâtir en for ces lieux. For others to come and build in that place. Et que les descendants d'Abraham, and that the descendants of Abraham habitaient ces lieux, may live that place, construit déjà par d'autres personnes, built by other people. Donc la vie d'Abraham, so Abraham's a été comme un prémisse, was like a seed, comme une offrande, as an offering, afin que la récolte, so that the harvest, soit faite par ses descendants, may be done by his descendants, pour autant s'aimer, for that sowing. Et Lot, and Lot, c'est l'image de la chair, is the image of the flesh. Dès qu'Abraham se sépare avec la chair, now split from se the flesh, sépare avec le voile, separated himself parce from que the le nom de Lot se voile, because the name of Lot les is écailles veil. Sont tombées, now the barriers ses fell, yeux, and his eyes, au chapitre 14, chapter 14, on vit Melchizedek, saw Melchizedek. Il y a des personnes, there are people, qui ne te visiteront jamais, that will never visit you, tant que tu ne fonctionnes pas selon l'esprit. As long as you do not behave according to the spirit. Il peut passer à côté de toi. They may pass beside you. Tu ne le verras pas. But you will not see c'est them. C'est pour ça que les églises, les gens ont des conflits. Which is why people are in conflict parce with qu'ils ne comprennent churches. Pas la valeur. Because they do not understand the worth d'une personne of a person créée created à l'image in the image et à la ressemblance and after the likeness de Dieu, of God. Même si elle a des défauts. Despite the flaws même of that si person. Il a des défauts. Despite his flaws. Donc. So. C'est par l'aide du Saint-Esprit it's through the help of the Holy que je vous Spirit enseigne ces choses. That I'm teaching you about these réfléchissons things. Let's think sur la valeur profonde about the deep de Matthieu 28, of Matthew le verset 28, 19. Verse 19. J'ai déduit en disant ceci. And I deduct saying, ici, that here, on parle de trois sortes we're de talking about three kinds of baptisms. Donc il y a un baptême du Père, the baptism of the Father, un baptême du Fils, the baptism of the Son, un baptême du Saint-Esprit. And the baptism of the Holy Spirit. Maintenant, c'est quoi le baptême. Now, what is the baptism? Je ne parle pas d'abord des sortes de baptême. Not talking about the kinds of baptism. Mais je voulais définir d'abord le terme. But let me define the term first. C'est quoi le baptême? What is a baptism? Le baptême, the baptism, du grec, from the Greek, on parle de baptizo. We're talking about baptizo. B-A, B-A, P, P, T, T, I, I, Z, Z, O, and O. Baptizo. 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 And baptizo veut dire means plonger, to sink, submerger, to be submerged, immerger, to be immersed dans l'eau, in the water, ou dans un liquide, or in a liquid. Mais non de baptizo, now from baptizo, 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 c'est le verbe, is the verb, baptiser, to baptize, qui veut dire plonger, which means to comme throw j'ai dit tout à l'heure, as I said earlier, immerger, to be submerged. Pour ouvrir une parenthèse, now to open a bracket, c'est la même quand on parle de baptême d'eau, that's why even when we're talking about the baptism le of water, the baptism, pour les respects, to respect, étymologique, the, to respect étymologically, il faut que parlant du baptême d'eau, while speaking about the water que la baptism, personne soit plongée the dans person l'eau, needs to be thrown into the water, submergée dans l'eau, to be filled with water. Si ce n'est pas le cas, if that's not the case, on ne peut pas parler de baptême. We cannot speak of baptism. De baptême d'eau. Of water baptism. Le baptême d'eau. The baptism. C'est le baptême par immersion. It's the baptism where you are actually thrown. Le corps dans l'eau. The body is in the water. Je ne parle pas encore de baptême not d'eau. Not yet speaking about the water baptism though. Alors, so, baptizo, baptizo, c'est le verbe baptiser. It's the word to baptize. C'est de ce verbe baptiser. And from the verb baptize. Sort cet adjectif, le baptême. That's where we have the adjective. Et le baptême, baptism. C'est l'action de baptizo. And the baptism is c'est the act l'action of baptizo. It's the act of baptizing. Plonger quelqu'un. To throw someone. Dans.
in. Parce que nous parlons de la doctrine de baptême. Because we're talking about the doctrine of baptism. C'est le fait de plonger quelqu'un. It is to deep someone. Dans le Père. In the Father. Dans le Fils. In the Son. Et dans le Saint-Esprit. In the Holy Spirit. Et par là, and then, nous avons trois types de baptême. We have three kinds of baptism. Le baptême du Père. The baptism of the Father. Le baptême du Fils. The baptism of the Son. Et le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy Spirit. Le baptême du Père. The baptism of the Father. C'est ce qu'on appelle is what we call la régénération. The regeneration. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. That's what we study today. Le baptême du Fils. The baptism of the Son. A deux dimensions. Has two dimensions. La première dimension. The first. C'est le baptême d'eau. It's the water baptism. Parce que nous baptisons. Because we baptize. Au nom du Fils. In the name of the Son. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La deuxième dimension. Second dimension. Du baptême du Fils. Of the baptism c'est of le baptême son. De feu. It's the baptism Matthieu of fire. Chapitre 3. Matthew 3. Le verset 11. Verse 11. Moi je vous baptise d'eau. I baptize you with vous amener à la repentance. To lead you to repentance. Dit Jean-Baptiste. Says John the Mais Baptist. Quelqu'un qui est plus puissant que but moi. But someone who is more powerful vous than I am. Vous baptisera du Saint-Esprit. We baptize you with the Holy Spirit. Et de feu. And with fire. Et vous baptisera du Saint-Esprit. We baptize you with the Holy Spirit. Et de feu. And with fire. Et la troisième sorte de baptême. The third kind of baptism. C'est le baptême du Saint-Esprit. It's the baptism of the Holy Spirit. Le baptême du Saint-Esprit. And the baptism of the Holy Spirit. Vient comes par le Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Mais le Saint-Esprit. But the Holy Spirit est devenu. Became. Au nom du Fils. Came in the name of the Son. Jean chapitre 14. John 14. Verset 26. 26. Lorsque le Consolateur. When the Comforter. L'Esprit Saint. The Holy Spirit. Que le Père enverra à mon nom. That the Lord will send in my name. Alors si maintenant nous. Now what if we. Nous ne sommes pas organisés. Are not organized. Dans notre fort intérieur. In our inner self. Ayant la connaissance. Having the knowledge. Des fondamentaux. Of the fundamentals. Selon Hébreux. According to le Hebrews. Le chapitre 6. Chapter 6. 1 à 2. 1 to 2. On cherchera la prospérité. We will seek. After prosperity, on ne peut pas expérimenter la prospérité. But we cannot experiment parce que la prospérité c'est le résultat result de la bénédiction. Of the blessing. Et la bénédiction and the blessing, quand tu n'as pas la connaissance when you lack the de ce que tu es of who you en are Christ, in Christ, il y a un problème. There's an issue. C'est ça le but that is the des enseignements of the teachings, des fondamentaux. Of the fundamentals. Parce que les baptêmes du Père the baptism of the que Father, je vais développer tout à l'heure that will develop later, te faire réfléchir. Would lead you to think. Première sorte de baptême. First kind of baptism. Le baptême. The baptism. Du Père. Of the Father. Ça c'est l'introduction. That was the introduction. Tout ce que je viens de dire. All that I said. Le baptême. The baptism. Du Père. Of the Father. C'est qui le Père? Now who is the Father? On a compris c'est quoi le baptême. We understood what the baptism is. Introduit. It is to be introduced. Donc le baptême du Père. So the baptism c'est of the le Father. Fait d'être introduit. It is the fact of being introduced. Je dirais mieux, réintroduit. And let me say it again, to be reintroduced. Dans la dimension du Père. In the dimension of the Father. Par filiation. Through the filiation, through the relationship. C'est quoi la filiation? Now what is the relationship? C'est un acte. It is an act. Qui est posé. That is laid. Avec signature. By signature. Afin que. To. Deux personnes allow two people établir une alliance to establish a covenant afin d'appartenir à la même famille. To belong to the same family. La filiation. Now that relationship. La filie à l'autre. That relates you to the other. Alors cette filiation. Now that relationship. C'est l'acte. Is the act que le Christ. That Christ. A posé à la croix. Did at the cross. Qui nous a permis. That allowed us. De ne plus être des simples créatures de Dieu. To no longer be simple creatures of God. Mais des enfants de Dieu. But to become children of God. Par filiation. Through the relationship. Parce que nous avions cru. Because we believed. Maintenant Jean. But in John. Chapitre 1er. 11 à 12. 11 to 12. À tous ceux qui l'ont reçu. To all those that received him. À tous ceux qui croient à son nom. To those that believe in his name. Elle. It. Il faut que je vous explique la parole. Let me explain the word of God to you. Elle. It. Les a donné les pouvoirs. Gave them the power. Pourquoi pas il? Why not he? Jean chapitre 1. John 1. Et le verset 7, 8 et 9 d'abord. 8 and 9. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Attends. Il. He. C'est Jean-Baptiste. Was John the Baptist. Amen. Amen. Parce que le verset 6 dit because verse 6 un homme says, paru, a man appeared, envoyé par Dieu. Sent by il God. S'appelait Jean. His name was John. Ça, c'est le verset 6. That is verse 6. Le verset 7, verse 7 c'est ce qu'elle a lu. That's what she read. Prends le verset 8 maintenant. Now verse 8.
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière. John was not the light. Mais il a parlé pour rendre témoignage à la lumière. But he bore witness of the light. C'est qui cette lumière? Now who's that light? Verset 9. Verse 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Ok, on y va. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ok. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce chapitre traite la problématique sur la personne de Christ. So the issue of the person of Christ. Parce qu'au début, because in the beginning, au verset premier, verse one, on a dit au commencement, it is said in the beginning, était la parole. Was the word. La parole était avec Dieu. The word was with God. Et la parole était Dieu. The word was God. Ça, vous le savez très bien. You know that very well. Ok. Regardez ce que la Bible dit. Now look at what the Bible au verset 3. Says. Verse 3. Toutes choses ont été faites par elle. Things were made through rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nothing was made that là, on was parle made. De Christ. We're speaking about Christ. Comme le Créateur. As the Creator. Tout a été fait everything par was lui, made pour lui, through him, et en lui. For him and in him. Selon Colossiens 1, according to Colossians verset 16. 1, verse 16. Cela explique that explains ce que je vous avais dit. What I told you. Dans Genèse 1, in Genesis 1, verset 1, verse 1. Au commencement, in the beginning, Dieu God créa les cieux created heavens et la terre. And earth. C'est Dieu là. It, that God c'est Elohim. Was Elohim. Le Père, the Father, le Fils the Son, et le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Le verset 4 dit, now verse 4 says, elle était la vie. In him was life. Elle là c'est qui? Now who is that? C'est qui elle? Who is that? C'est qui elle? Who is that? Hein? Et elle là, c'est la parole. That was the word. Cette parole? Him is the word. Était en Dieu. That word was in God. Cette parole? That word était au commencement. Was in the beginning. Cette parole? That word. C'est Dieu. Is God. Okay. Après on nous fait comprendre. And then later on. Qu'il y avait un homme. We're told that there was a man. On laisse Jésus. They leave Jesus qui aside, Jean, that name was called John. Qui est venu? Who came? Rendre témoignage. To bear witness. De la lumière. To the light. Après, on s'est dit, mais cette lumière-là, c'est qui? But who's that light? On a dit que cette lumière est venue chez les siens. It said that light came to his own. Qui est venu chez les siens? Now, who came to his c'est own? Votre grand-père. Was it your grandfather? Non, c'est Jésus. No, it was Jesus. Les siens, c'est qui? And who were his? Ce sont des enfants d'Israël. These were the children of c'est Israel. Comme Joseph. That's Joseph. Dans Genèse 37. Genesis 37. Il est venu chez les siens. He came to his own. Pour aller les rendre visite. To visit parce them. Que papa lui a envoyé. Daddy sent Jésus him. Est venu. Jesus le came. Père l'a envoyé. The father sent him. Et Joseph, and Joseph a été arrêté. Was arrested. A été tabassé. He was flogged. On a voulu le tuer. They wanted to on kill s'est débarrassé him. De lui. They put him c'est aside. Ce qu'on a fait à Jésus. That's what was done to Jesus. Mais Jésus but Jesus était cette lumière-là. Was that light. La lumière, c'est quoi? That light is pour éclairer it was to les lieux obscurs. The dark places. Par sa présence, through his presence, nos yeux doivent s'ouvrir pour voir distinctement to distinctly see quelle est notre position, what is our position auprès du Père. Beside et the Father. En comprenant cette position, and as we understand nous sommes introduits introduced par le salut through salvation, dans la dimension du Père, to the dimension dans of la the famille Father, du Père, through the family of dans the l'amour Father, du Père, the love of the Father, nous l'appartenons and we belong to him, comme des enfants. As children. Et parce que tout homme man, naît comme un enfant, born as a child, c'est en grandissant. It is as tu we deviens grow, fille you become a daughter, ou femme. Or you become a, c'est en grandissant a woman. And as que grow, je deviens fils I become a ou son, je deviens garçon and I become a boy, ou un fils. Or a son. Donc le baptême so the baptism du Père of the Father vient come nous introduire. To introduce ça ne t'a pas introduit maintenant. Did not introduce you now. Pendant que tu m'écoutes. As you're listening non. To me. No. Le jour que tu as reçu Jésus. It happened on the day you received ça Jesus. Ça t'a introduit à cette it dimension. It introduced you to that. Mais ça, c'est un fait spirituel. That's a spiritual fact. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Vous devez comprendre les choses. You need to understand something. Dieu ne fonctionne pas. God does not function. Avec tout le monde. With everyone. De la même façon. The same way. Jésus. Jesus. Dans Jean 3. In John 3. Il rencontre Nicodème. He met Nicodemus. Il parle à Nicodème. And he spoke to him. Qui est un juif. Who was a Jewish. Docteur. Doctor. De docteur. Of the doctors. Il parle. He spoke. De la nouvelle naissance. Of the new birth. Jean chapitre 3. John 3. Il parle de la nouvelle naissance. He spoke to him about the il new dit, birth. Il faut que vous naissiez de nouveau. And he said you need to be born again. Ce qui est esprit. What is spirit. Est esprit. Is spirit. Ce qui est né de la chair. What is born of the flesh. Est chair. Is flesh. Le verset 6. Verse 6. Mais le verset 8, tu lui dis. But verse 8 celui says. Celui qui est né de nouveau. The one who's born again. Est comme un vent. Is as the wind. Le diable. The devil. N'a plus le contrôle de sa vie. Has no control of his life anymore. On ne sait d'où il vient. We do not know where he comes from. Mais comment? But how? Dans des églises.
is it? On vous enseigne that in churches they are taught that the devil a toutes les capacités pour vous bloquer. Has the ability to block you. Mais c'est vrai, le diable bloque les gens. It is true that the devil can Pourquoi? Block people. Why? Parce que ces gens because these n'ont jamais compris never understood qu'ils sont des vents. That they are winds. Parce qu'un vent, because a wind, on ne peut pas le mettre we dans la cannot poche. Put it in a pocket. On ne peut pas we cannot. Canaliser les vents. We cannot channel on ne peut pas. We cannot. Mais quand tu ne connais pas but when you do cette not know dimension, that dimension, il y a un problème. There's an issue. Donc Jésus so Jesus est en train de faire comprendre was leading us to understand à Nicodème Nicodemus, que tu es docteur rather than mais he was tu ne a connais doctor, pas but you do not know anything. Mais le même Jésus but that same Jesus, au chapitre 4, chapter 4 du livre des Jean of the book of John, rencontre la femme samaritaine met the woman at the well. Elle était païenne she was an unbeliever. Elle a connu 5 maris she had 5 husbands. Le mari qu'elle avait à la maison and the one that ce n'était pas son mari at home was not her Jésus husband. Ne lui parle pas de la nouvelle naissance Jesus did not tell her about the new birth. Il ne lui parle pas de la nouvelle naissance. He did not speak to her about that. Jésus lui fait comprendre. Jesus told her. Autre chose. Something else. Il lui parle de l'adoration. He spoke about worship. Il lui fait comprendre que. And he explained je suis l'eau de la vie. That I'm the water of life. Pourquoi je suis l'eau de la vie? Why am I the water of c'est life? Juste une dimension. It's only a dimension. Autre. Another one. Mais il parlait de la même chose. But he was talking about the same thing. Mais les mots ont changé. But the words that parce were used si changed. Il est l'eau de la vie, because if the if it's the well of celui life, qui doit le boire, and the one that needs to drink from soif, it will not be thirsty anymore. Un enfant quand il est avec son père, a child when he's with his father, il est tellement à l'aise. He's so comfortable. Il parle d'un vrai père. We're talking about the true father. Donc il dit, so he quand said, tu vas me suivre, when you'll follow comme me, je suis le chemin, as I'm the way, je t'amènerai au père. I will lead you to the tu father. Tu seras renouvelé. And you'll be renewed. Il n'a pas utilisé le mot nouvelle naissance. He did not use the word new birth. Il a utilisé d'autres mots. But he used different words. Mais qui concorde? But are in accord avec la naissance. With the new birth. Le baptême du Père. The baptism of the Father. Le baptême du Père. The baptism of the Father. A role. Has as a role. De nous amener. To lead us. À être comme Adam était avant la chute. To be as Adam was before the fall. Comment était Adam avant la chute? And how was he before he fell? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quand tu comprends ces choses. When you understand these things. Je vous dis la vérité. Let me tell you the truth. Il y a des choses que tu ne feras there pas. There are things you will not do anymore. Comment était Adam? How was Adam? Avant la chute. Before the fall. Genèse 1. Genesis 1. Verset 26. Verse 26. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme. Let us make man. Qui parle? Now who was speaking? C'est le Père. It was the Father. Il parle à qui? Speaking to who? Au Fils. The Son. Et au Saint-Esprit. And to the Holy Spirit. La preuve c'est quoi? The evidence is what? Jean 1. John 1. Verset 3. Verse 3. La preuve c'est quoi? The evidence is what? Colossiens 1. Colossians 1. Verset 16. 16. On parle de la dimension créatrice. We're told about the creative dimension of Christ. Il dit faisons. He said, let us make. Faisons. Let us make l'homme man à notre image, in our image, à notre ressemblance. After our likeness. On a dit quoi? What is it qu'il said? Domine. Let him est-ce dominate. Que quand Adam a chuté, when Adam fell, il a toujours dominé? Did he still have dominion? Je vous démontre ça. Let me demonstrate it to you. Donc l'homme so the man était à l'image was at the et à image, la ressemblance de Dieu. And after the likeness of God. Maintenant quand? Now when? Nous sommes baptisés dans le Père. We are baptized in the Father. Je vais vous dire let me tell you que le baptême du Père the baptism of the Father, c'est ce qu'on appelle is what is la called régénération. The regeneration. C'est quoi la régénération? Now, what is the regeneration? C'est quoi la régénération? What is the regeneration? Write this down. Le baptême du Père the baptism of the Father, c'est la régénération. Is the regeneration. Tu vas le comprendre tout à l'heure. You will understand parce que it later, ça nous amène because it leads à revenir to go back, comme dans le jardin. To return to our status in the garden. Retourner comme on était to go back to dans la how pensée we were de Dieu. In God's mind. C'est pour ça que je prends l'image that's why I take the image d'Adam of Adam et Eve. And Eve. Notez quelques définitions. Now let's write down a few definitions. Avant que je puisse expliquer. Before I explain. Je sens qu'il parlait de la régénération. I'm speaking about the regeneration. On va lire la parole de Dieu tout à l'heure. We'll read God's word later on. Concernant la régénération. About the regeneration. Du latin ecclésiastique. From the Latin. La régénération. Regeneration. Parle de génération. To speaks of generation. Qui veut dire seulement. Which means. Le retour à la vie. To go to return to life. Je vous explique. Let me explain it to you. Très bien. J'ai quand même relevé deux définitions du dictionnaire qui m'ont plu. And I took the two definitions after the dictionary that I liked. La première définition. The first. C'est la reconstitution des tissus organiques. To rebuild the organic tissues. Deuxième définition. Second definition. Selon le dictionnaire. According to the dictionary. C'est le renouvellement. It is the renewing. Moral. The moral renewing.
Premièrement, first of all, et deuxièmement, secondly, c'est un amendement de ce qui était corrompu ou altéré. It's an amendment of what was corrupted. Ce qui était détruit. What was destroyed. La réparation de ce qui était détruit. To fix what was destroyed. Ça, c'est le dictionnaire qui parle. That's the dictionary. Écoutez maintenant. Now listen. La parole de Dieu. To God's word. Concernant la régénération. About the regeneration. Mais j'aime la pensée latine. I love the Latin thought. Le latin ecclésiastique. The ecclesiastic qui Latin. Qui parle de génération. That speaks about generation. Le retour à la vie. To return le to retour. Life. Return. C'est-à-dire qu'il y avait une vie. So there was a life. Cette vie a été bafouée. But that life was carried away. Détruite. That life was destroyed. Entre la vie qui a existé. Between the life that existed. Et la destruction de la vie. And the destruction of il life. Il s'est passé quelque chose. Something happened. Il s'est passé un événement. There was an event. Cet événement c'est quoi? What is that event? Adam. Adam et Eve and Eve, ont écouté les diables. They listened ils to l'ont the devil. Introduit dans les jardins. They introduced him in the garden. Et parce qu'ils l'ont introduit dans les because jardins, they did, vous allez remarquer une chose. You'll notice something. Ils ont gardé la communication avec Dieu. They kept their fellowship with God. Mais la communion s'est coupée. The fellowship was cut, but the communication wasn't. Entre la communication. There's a difference tu between communiquer avec quelqu'un. The communication. Mais c'est pas ton ami. You may communicate c'est pas ta mère. With a person. C'est pas ton père. But that person is not a friend. Communiquer. Your mother, your brother. But you communicate. Mais la communion. But the fellowship. Du grec koimonia. From the Greek koimonia. 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 Parle d'une relation. Speaks of relationship. Non seulement qui nous permet de se communiquer. That not only allows us to communicate. Qui établit une alliance. But it establishes a entre covenant. La personne avec qui tu communiques. Between the person you communicate with. Maintenant, quand nous revenons comme dans les jardins. But when we go back to who we were in the garden. Non seulement nous avons la communication avec lui. We not only have the communication. Mais nous avons une alliance. But we have a covenant. Et cette alliance-là. That covenant. C'est une filiation. It's a relationship. Du fils. From the dans son la dimension du père. To the father. Sachant que le père. Knowing that the father. Dans les Grecs. In the Greek. On parle de Abba. We're told about Abba. Abba. Abba c'est la source. Is the source. Donc on va être ressourcé. So we'll be resourced. Et sera ressourcé. And because we will be resourced. C'est qu'on a perdu. What we lost. Sera réparé. Will be fixed. C'est là où je rejoins la définition du dictionnaire. That's where I joined the definition given la by the dictionary. La reconstitution des tissus organiques. The dictionary, the restitution of je organic tissues. Je vous explique l'organe qui doit être régénéré. Now let me explain to you that organ that needs to be regenerated corps, in the body. Sachant que knowing that nous avons trois parties. We have three parts. Selon 1 Thessaloniciens 5 verset 23. To 1 Thessalonians 5 nous 23. Avons le corps, we have the body, qui est le soma, which is the soma. Nous avons l'âme, the soul, qui est le psyché, which is the psyche. Et nous avons l'esprit, the spirit, qui est le pneuma, which is the pneuma. Et en hébreu, in Hebrew, le ruah. The ruah. Écoutez maintenant. Now listen. La régénération, the regeneration, c'est un fait, is a fact, qui s'est produit, that is done, au niveau de l'âme de quelqu'un. In someone's soul. Quand est-ce que c'est fait? Now when does c'est this? Produit au niveau de l'âme. When is this produced in c'est our soul? C'est lorsque tu crois en Jésus. It is when you believe in Jesus Christ. Tu donnes ta vie en Jésus. You give your life to Jesus. Automatiquement. And automatically. Ton esprit. Your spirit. Est habité. Is inhabited. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. That's what Jesus said to Nicodemus. C'est qui est né de l'esprit. What is born of the spirit. Est esprit. Is spirit. Jean 3. John 3. 6. Ce qui est né de la chair, what is born of the flesh est chair. Is flesh. Je suis né dans la chair. I'm born in the flesh. Par Lungu, through Lungu, Nicolas, Nicholas, et par Senga, and through Senga, Jeanne, Jeanne. Je suis né de la chair. I was born in the flesh. But quand je suis né en Christ, now when I was born in Christ, je suis né I was born en Christ, in Christ pour appartenir to belong à la famille spirituelle de Dieu. To the spiritual family cette of God. Famille and that family est appelée Église. Is called church. Automatiquement, automatically, par position. Through the position, nous sommes frères et sœurs. We are all brothers and mais sisters. Sur le plan ecclésiastique, but in the ecclesiastic maintenant, level, ma position, my position monte d'un pan goes a bit par higher. L'appel. Through the calling, les mandats, through the mandate, automatiquement, automatically, parce que le mandat de Christ est sur moi, je deviens un me, père spirituel. Tite chapitre 1, Titus verset 1, 1 à 2, verse 1 to 2, 1 Timothée 1, 1, Timothy 1, 1 à 2, 1 to 2, 2 Timothée 1, 2 Timothy 1, 1 à 2, 1 to 2, Paul, Paul, serviteur du Seigneur, servant of the Lord, à son enfant, to his child, Timothée, Timothy, Tite, Tite, père spirituel, c'est pas démoniaque. A spiritual father is not demonic. C'est biblique. It's biblical. En naissant en Christ, as you are born in Christ, nous sommes d'abord frères de Jésus. We are brothers of Jesus first. Frères d'Exaucé. Brothers of Exaucé. Frères avec Gambembo. Brothers with Gambembo. Frères avec brother to, je sais pas, Suleiman. Suleiman. Frères avec Pépé. Brother to Pepe. Mais l'appel, but a calling, de Christ, of Christ, de son père, comes from le the Father, distingue, distinguishes en Seigneur, him
as a Lord et en Dieu, and as a God, venu sous forme humaine. Come through human form. Et il a dit, and he said, parce qu'il a donné le ministère, because he gave étant the ministries, monté au ciel, as he ascended, il a fait les dons aux hommes. He gave gifts to men. Ephésiens, Ephesians, chapitre 4, 4 8, 8 à 12, to 12, étant monté au ciel, as he ascended, il a fait les dons aux hommes. He gave gifts le verset to men. 11 et 12, as 11 and 12 il a donné says, le ministère he gave the ministry. Évangélique. Pastoral, the evangelist, prophétique, the pastoral, apostolique, prophetic and the apostolic. À cette position, and here, je deviens, I become, non plus votre frère, not just your brother, mais un père, but a à father, cause de Christ. Because of si Christ. Si je me sépare de Jésus, and if I separate myself from Jesus, je ne serai plus père. I will no longer be a father. C'est pas un jeu. That's not a game. C'est une responsabilité. It's a responsibility. Tite chapitre 3 le verset 5. Titus 3:5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ici. Here. On dit il nous a sauvés. He saved us. Il nous a sauvés. He saved ici, us. On parle du salut, non? We're talking about salvation, isn't it? Quand quelqu'un est sauvé, when someone is il saved, a le salut. He has salvation. Mais dès que tu as le salut, but as soon as you have salvation, automatiquement, tu nais de nouveau. You're born again. Le salut, now, salvation, c'est produit dans ton esprit produced in your spirit, par la nouvelle naissance. Through the new birth. Et la nouvelle naissance, and that new birth, c'est un fait is a fact qui s'imprime that is imprinted dans ton âme. In your soul. Le salut, the salvation, quand tu crois en Jésus, when you believe in Jesus, l'esprit, the spirit, ton esprit, your spirit, qui était un esprit animal, that was an animal spirit, reçoit l'esprit de Dieu, receives God's par la spirit, présence de l'esprit de Dieu, through the presence of God's spirit, l'esprit animal, the animal l'esprit spirit, naturel, the natural spirit, pour être beaucoup plus classe, to be a bit more class, disparaît. Disappears. Il y a une force de Dieu qui vient. There's a power of God that comes. Tu n'as rien payé. You have not on paid ne paye anything. Rien we do not pour pay atteindre cette dimension. To reach that dimension. Mais la deuxième chose qui s'est faite, but the second thing that occurs, automatiquement, automatically, parce que tu es sauvé, because you are saved, tu nais de nouveau. You are born again. Et quand tu nais and de nouveau, when you are born again, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton âme maintenant. Something happens in your soul. Les organes abîmés. Your organs les that were damaged, abîmés, the tissues that were damaged, the mindset that was damaged, receives a hit de la régénération. Through the regeneration. Et par ricochet, and as a je dirais que la régénération est un processus is a process qui est impacté that is impacted à cause because du salut, of salvation, la nouvelle naissance, and because of the new birth, qui démarque une quintessence profonde that de Dieu, remarks a deep quintessence of God, qui te régénère, that regenerates sachant you, que knowing that la régénération, the regeneration, c'est la transformation, is a transformation, ou c'est la reconstitution, it is the reconstitution des cellules mortes. Of dead cells. Ça commence à recadrer ton système de jeu. And it starts putting everything in place. Tu as un dégoût des boîtes de nuit. You now are disgusted about nightclubs. Un dégoût des mensonges. You do not want to lie anymore. Un dégoût des commérages. You're disgusted about un gossiping. Un dégoût des critiques. You do not want to criticize anymore. Écoutez maintenant. Listen. Il nous a sauvés. He saved us. Non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions not faites. Not by works of righteousness which we have done. Non. No. Mais il nous a sauvés. But according à cause de sa miséricorde. To his mercy. Il a eu pitié. He had mercy parce qu'on allait partir en enfer. Because we would have gone to hell. Il dit, and he said, par le bain, through the washing. Ça c'est la version. That is the Louis II 79. Louis second version. Par le bain. Through the bath. Bain-là. That bath. C'est le baptême. It's the baptism. Parce que le baptême. Because the baptism est un bain. Is a bath. Parce que nous ne parlons pas du baptême because d'eau. We're not talking about the water et que baptism. Nous parlons du baptême du Père. We're talking about the baptism nous sommes of the Father. Baignés. We are bathed. On se baigne. We are bathed. Dans une dimension. In a dimension. Qui régénère. That regenerates. Les tissus morts. The dead cells. Et le renouvellement du Saint-Esprit. The renewing of the Holy Spirit. C'est là où je voulais la version Semeur. That's where I wanted the Semeur version in French. Parce que la version Semeur, because that version est proche is closer de ce que j'explique. To what I'm explaining. Regardez maintenant Semeur. Let's look at that version. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Dans la version Semeur, le verset le plus court, the shortest verse, la phrase la plus courte, c'est non. The shortest sentence, pas le verset le plus court, mais la phrase la plus courte. The shortest sentence, c'est non. Is no. Tu vois, non. No. Entouré par les points. And in between dots. Écoutez. Now listen. Dans la version Louis II, il n'y a pas.
In the version Louis II, there isn't. Let me continue. Il nous a sauvés. He saved us. Parce qu'il a eu pitié de nous. Because he had mercy on us. En nous faisant passer. As he allowed us to go. Par le bain. Through the bath. Purificateur. That purifies. De la nouvelle naissance. The purifying donc, bath of the new birth. Par ça. Through this, par cette pensée, through that thought, on peut comprendre we can understand que la nouvelle naissance, that the new birth, c'est la régénération. Is a regeneration. Mais le problème, c'est quoi? But what's the issue? La nouvelle naissance, the new birth, touche ton esprit, touches your spirit, la régénération, the regeneration, touche ton âme, touches your soul, les deux faits. Both c'est fait au même moment. Are done at the same c'est time. Comme Jésus Jesus, qui est le Père who's the Father, venu dans la chair. Okay, la nouvelle naissance, flesh, c'est birth, la régénération regeneration dans ton âme. In your soul, parce que par la nouvelle naissance, through the new birth, tu régénères. You are regenerated. C'est là quand tu vois un pasteur impudique. Which is why when you see a pastor, il y a un problème. That is sexually immoral, adultère. There's an issue. Il y a un problème. Adulterous, there's an issue. Un chrétien a Christian qui insulte. Who insults un chrétien a Christian qui voit l'autre chrétien. Who sees another Christian, il bombe. And he's il ne pride, salue pas. And he does not want to greet him. Il y a un problème. There's an issue. Au niveau de la régénération. In, on the level of the regeneration. Pourquoi la nouvelle naissance? Why is it that the new birth peut avoir une netteté can have a clarity dans sa différence in its difference avec la régénération? With the regeneration. Parce que j'ai scindé les choses en deux. Because I divided it into la nouvelle naissance. The new birth. Nouvelle. The new. Nouvelle. New. Donc j'étais né en Adam. So I was born in Adam. Je nais en Christ. And I'm born in Christ. Dans mon esprit. In my spirit. Mon niveau de mon âme. But in my soul. Dans mon âme. In my soul. J'ai des sentiments. I have feelings. J'ai des émotions. I have emotions. J'ai la pensée. I have my mind. Dans ma pensée. In my mind. J'ai mon passé. I have my past. J'ai mon présent. I have my present. J'ai mon futur. I have my future. Dans mes émotions. In my emotions. J'ai la peur. I have fear. Dans mes sentiments. In my feelings. J'ai des désirs. I have desires. Alors ces désirs. So these desires. May be carnal. Galatians 5, verse 22, verse 22 tells us about the works chair. Of the flesh. À partir du verset 19, from verse 19 to 22, on parle de la chair. We're told about the works of the et flesh and the works of the spirit. Maintenant dans l'âme, now in the on peut être né de nouveau, may be born again, mais on parle mal. But we do not speak well. Donc il faut vérifier maintenant. So now we need to check. Est-ce que tu as compris? Did you understand que tu es né de nouveau? That you were born again. C'est ça le problème. That's the issue. Parce que quand tu es né de nouveau, when you're born again, tu seras régénéré. You'll be regenerated. Écoutez, listen, la régénération the regeneration est un processus. It's a procedure. Est un processus. It's a process. Lorsqu'on parle d'un processus, when we're talking about a process, c'est-à-dire de la chenille so from the caterpillar au papillon. To the et je voulais dire à quelqu'un, let me say to someone, quand je suis chenille, when I'm a caterpillar, je n'ai pas encore des ailes. I do not have any ne te moque pas de moi. Do not make fun parce que quelque chose va se passer. Something will happen. Lorsque je vais commencer when à grandir, I will start growing, je deviendrai I will papillon. Become a butterfly. Un jour, il y avait une chenille. One day there was a caterpillar avec un papillon. With a butterfly. La chenille and a caterpillar voulait voler comme un papillon. To fly as a butterfly. Mais elle n'arrivait pas. But she couldn't. Le papillon dit à and la chenille, ne t'inquiète pas. Do not worry. C'est question de temps. It's just a matter mais je voulais pousser time. Les bouchons. Let me push further. La chenille, the caterpillar, comme elle ne vole as pas, it doesn't fly, pour qu'elle mange, to walk, il faut to eat, que le papillon the butterfly lui amène à manger. To bring food to c'est pour cela que un chrétien when a Christian attend toujours is still que le pasteur prie for the pastor to pray pour lui. For him. Il est chenille. He's still c'est caterpillar. Que tu es chenille. It means that you are mais a caterpillar. Nous devons entrer dans la dimension. But we need to enter to the dimension. Papillon of a butterfly voler fly pour voir des choses things que la chenille that ne peut pas voir cannot see. Galates 4 Galatians le verset 4 verse 4 aussi longtemps as long as que l'héritier reste un enfant a child, écoutez-moi listen to je me. Suis converti I am converted. Il y a 24 ans en arrière 24 il y a des gens ago. Qui ont commencé avant people moi saw before il y a des gens me. Qui ont prêché avant some moi people preach before ils disent je connais exaucé. He said, I know exaucé. Il s'est converti après nous. He gave his life to the ce n'est pas le problème. That's not the matter. Mais quand tu t'es converti, but when you gave your life tu es resté chenille you remain a caterpillar ou papillon. En se convertissant, as I gave my life to je God, ne suis pas resté I chenille. Did not remain a caterpillar. Je ne suis pas resté I chenille. Did not remain a caterpillar. Je suis entré I entered dans le processus. Into the process, dans le processus. Into the process afin de devenir to become un papillon. A butterfly. Mais quand je deviens papillon, but when I become a butterfly, il y a des choses qui m'empêcheront that will stop me de pouvoir le devenir. From becoming the butterfly. Alors qu'est-ce que je vais faire? So what will I do? Il faut I need que je ne
regarde pas do not look à ce qui est tout autour de moi, at what is around me, à ce qui me dérange, at what is bothering me.